Franck Horvat, qui désormais est reconnu comme un photographe important au niveau international. Au Pakistan, en 1953, il a l'occasion de photographier un mariage musulman. Dans la coutume musulmane, au moment où les jeunes mariés signent leur contrat de mariage, la mariée dévoile son visage à son mari et des jeunes filles qui entourent la mariée lèvent le voile et le jeune marié aperçoit le visage de sa femme dans un miroir. Une coutume tout à fait symbolique du fait que la femme se dévoile à son mari. Et l'inverse également. Cette série va être repérée par Edward Steichen au MoMA à New York, qui va la sélectionner pour la grande exposition de Family of Man en 1955, dans laquelle sont représentés les plus grands photographes mondiaux de l'époque. Et le fait de figurer dans cette exposition va faire connaître Franck Horvat, qui désormais est reconnu comme un photographe important au niveau international.